Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai fait quelques petits changements. J'ai demandé qu'on ramène ceci ici maintenant que c'était rempli. Comme ça, notre balise va fonctionner. Je pense par après que je vais également. Ben on va le faire tout de suite d'ailleurs. Cette balise, je vais en construire une copie qu'on va positionner ici. Ça sera très bien ici, voilà. Ça sera très bien là. Ce qui permettra à de ne plus devoir aller dans ce coin-ci chercher le résultat des marchandises qu'on achète. Ensuite, j'ai modifié pas mal de petits trucs dans ma zone de dans mon travail, dans les priorités. Vous allez voir que ici, repos, j'ai passé en deux. Ce qui va me permettre pendant la saison de la récolte ici je vais même le passer en. Ouais. Et donc ici en fermier, je vais redescendre Grizzly en 1. Pardon. Lui reste en 3. Mais ça aussi j'enlève. Ça c'était avant, c'est quand il avait son inspiration. Alors, partons récolter ici, je vais le passer en 1. Comme ça, logiquement, il devrait récolter avant d'aller dormir. Si je ne me trompe pas. Et je vais d'ailleurs même faire ça, et même semer, je vais faire la même chose. On va modifier, on va passer tout le monde ici en. Shift left click, Shift right click, voilà, je passe tout le monde en 3. Je passe tout le monde en 3. Par contre, je vais mettre ça en 3 aussi, alors. Qui puisse quand même d'abord, c'est moins important ça. Alors tout ce que j'ai d'autre qui serait en 2, je vais le passer en 3. Donc construire de 3, ça va en 3 ici. Fermier, donc je veux que tout le monde soit en 2 ici. Voilà, même toi. Semer des cultures, tu peux le faire aussi, mais c'est d'abord les récoltes, bien sûr. Le minage, c'est du 3. Le forestier, c'est quand il y a des pépins qu'il faut tout couper. Tout ça, c'est en 3. Ok. Ok. Tout du 3, c'est bon. Il n'y a pas d'autre 2. Et il n'y a pas de 2. Ok. Je pense comme ça ne devrait pas être trop mal. Alors, j'ai commandé aussi des nouvelles chaises. J'ai mis ici un lieu d'assemblage, on va faire des joints, puisqu'on a du smoke leaf ici qui est occupé de pourrir bientôt. Donc j'ai demandé également qu'on le renvoie ici dedans. J'ai dit que je ne voulais plus de smoke leaf à cet endroit-ci. Oui, c'est bien juste. Et donc j'ai demandé qu'on mette le smoke leaf là-bas. Ensuite, j'ai demandé de transporter la chaise excellente qui était là-bas et demandé également d'en construire une nouvelle. Ok, on peut relancer la partie. Pour l'instant, je vérifie que tout est correct. Alors, j'ai également fait ceci. J'ai demandé à Grizzly d'aller me chercher tout ça. Tout est mûr à 100%. Et je voudrais qu'il me fasse ça tout de suite. Et donc, normalement, Grizzly est parti me faire ça. Tout de suite. Les autres sont partis dormir puisqu'il n'y a rien à semer, il n'y a qu'à récolter. Donc le chauve, lui, il va pousser tout ça là-bas. Ok, c'est bien beau. Et donc normalement, je pense que le chauve va aller ici. On va voir si ça marche. Hein. Transporte-feuille de smoke leaf parce que je lui ai donné la zone de travail. Ah, un petit problème. Allô et les émeux. 7 heures. Un chercheur en Buffalo de 24 ans, au nom de Allô,
appelle d'une zone voisine. Il dit qu'une meute de deux émeus, chasseurs d'hommes, lui courent après. Eh bien, on va l'aider, mais bien sûr qu'on va t'aider. Alors, il vous suffit de l'aider à rejoindre votre colonie à le Nexus parallèle. Oui, si vous acceptez, les émeus arriveront une heure plus tard. Allo n'a pas eu le temps de donner plus de détails et a raccroché à la... Ah, ouais, mais je veux bien de toi ou je veux pas bien de toi, hein. Ça va me faire une personne en plus, ça. Bon, on a quand même besoin des Mufalo, on va les prendre. On va accepter la quête. Voilà. Et ça, dans 16 heures, je vais pouvoir le démolir. Ok. Donc, normalement, il y a le mec qui devrait arriver. Donc, je vais... restriction, je vais remettre tout ici, comme ceci, voilà. Donc Grizzly est bien parti. Normalement, le chauve, si je ne me trompe, il transporte des feuilles, mais après qu'il a fini cette zone de travail, il devrait aller semer. Voilà. Allô, joint. Donc, allô, t'es habillé comme un mec. Et t'avances pas très vite, donc 96%. Bon, t'as une heure pour rejoindre le truc, hein, mec. Alors, est-ce que tu es un mec qui est valable? Bio, bonne mémoire et agile. Ça, c'est très, très, très bien pour un mec de mêlée. Vous voyez, agile. Et une bonne mémoire. Alors, tu es bon en minage, tu es bon en cuisine, tu es bon, très bon en animaux. Ah oui, t'es pas mal du tout. C'est dommage que tu puisses pas faire de travaux agricoles, mec. Mais on va te prendre quand même, hein. On va te prendre quand même. Ok. Bon, on a vraiment besoin de fringues, nous autres. On va avoir vraiment besoin de fringues. Ok, restriction, on va te copier, coller, on va te mettre ici. Bon, on a besoin de fringues, on a besoin de chambres, on a besoin de lits, on a besoin de plein de trucs. On a besoin de plein de trucs, il me faut un lit en plus. Ok, mais j'en ai encore des pieux, non? Pour le moment. Là, je suis à 550 de métal. Qu'est-ce que nous avons ici dedans qui traîne? Nous avons encore un lit en métal normal. Il n'y en a qu'un seul, je regarde. Et ça, c'est aussi un deuxième lit de métal. Donc déjà, pour l'instant, on va aller l'installer avec à côté des copains. Allez, quoi. Voilà, ici, il sera très bien. Pour le moment, il va nous falloir absolument des chambres, hein, maintenant. Parce qu'on va bientôt avoir 8 également. Ok. Ensuite, je ne veux pas qu'on mette le chapeau qui est pourri. Je ne veux pas qu'on mette... Ça, tu peux mettre. Cuir fin 48. Je ne veux pas qu'on le mette. Je ne veux pas qu'on mette non plus ça. Pour ne pas l'abîmer. Ça serait idiot de l'abîmer. D'ailleurs, il m'en manque un. Qui est-ce qui a ça? Decker. Veste d'optimisation. Allez, descends-moi ça, mec. Pas besoin de ce truc. Voilà. Ok. Ça, c'est fait. Donc, l'autre est à poil. Donc, il me faut un manteau, un chapeau de cow-boy. Donc, j'ai fait un manteau qui est en tissu. Ça va m'en bouffer 80, il va m'en rester 25. Donc, je vais pouvoir faire un chapeau de cow-boy après, qui lui est en cuir de lézard, il m'en reste pour en faire un. Et il va donc me rester 25 tissus. Et donc, on va faire un deuxième chapeau de cow-boy, qu'on pourra mettre en tissu. Puisque 80 et 25, on sera tranquille. On va dire qu'on dépose au sol, et ici, on va dire aussi qu'on dépose au sol. Ok. C'est libellule, et c'est bien libellule partout. Ok. Ben, j'espère que tu vas me faire quelque chose de bien, ma biche. Allô.
enfile un t-shirt. Oui, ce qui est tout à fait logique. Alors, tu peux tirer, tu feras de la mémé, toi, normalement. Donc, on va te donner une massue à 50%. Ouais, elle est bien là. Allô, après, tu prendras ça. Voilà. Est-ce que notre ami ici. Boum. Alors, ça, c'est quoi? L'éruption solaire. Ça, c'est très gênant pour ceci. Alors, on est à combien? 97%. Est-ce que je peux récolter ici dedans? Pas comme ça qu'on fait. C'est architecte. Ordre. Je veux que tu récoltes. Là, tu ne peux pas. Ok. Et le reste, tu ne peux pas. Bon, ça va. Tant pis, hein, qu'est-ce que tu veux. Et il va faire chaud. Donc, on va interdire la porte ici. On n'autorise pas. Et on autorise ici le riz. On autorise les végétaux, on va autoriser pour le moment le riz et les patates, en attendant. D'ailleurs, ici, on mettra du riz, hein. On va mettre des patates. Non réfrigérées, lui, hein. Ouais. On va dire en riz que nous voulons des pommes de terre. Nous ne voulons plus de ça. Voilà. Ok. Donc, allô. Ah ouais, je ne sais pas ce que tu me faisais, toi. Allô, mon ami, allô. Qu'est-ce que tu étais bon, toi? Donc, on démarre ici. On te descend en 1. 1. Médecin. Est-ce que tu es un bon médecin? Tu as 8 sur 20. Ah ouais, quand même, hein. Donc tu vas déjà faire comme tout le monde, tu vas passer en 2. Là, 2, non, 8, 6. Bon, ben, tu vas faire exactement comme l'autre. Ouais, tu vas passer en 2 là aussi. Ici, tout le monde peut passer en 2, hein, ce truc-là, voilà. Ok, tu peux faire tout. Y compris ici, bien sûr. Ah, ça, t'as pas le droit de faire, on dirait. Parce que t'as pas le droit de faire de la diplomatie. C'est bien ça. Ok. 3. Passer en 2 ici. Puisque t'as moins de boulot. Alors ici, tu me fais 15. Waouh. Dresseur, tu passes en 2. Cuisiner. Est-ce que tu sais cuisiner, mec? Tu as 4. Tout comme Decker, qui a 5 et qui a 10. Ok. Mais pour le moment, vous n'allez pas me faire ça. Vous allez me faire des... Alors, là, nous avons 8 sur 20. Par contre, toi, tu n'as absolument pas de flingue pour le moment. Comme tu es agile, je vais te mettre 0 ici. Ensuite, constructeur. Qu'est-ce que tu fais en construction? Tu es nul en construction. Et donc, tu vas faire comme les autres, ici. Donc ça, tu disparais. Le reste, tu peux faire. Fermier, t'as pas le droit. C'est bien chiant. Alors, mineur, est-ce que tu peux miner? Tu n'as que 3 en minage. C'est pas beaucoup. Mais tu peux quand même miner, donc on va te mettre 3. Forestier, t'as pas le droit. Forgeron, tu as 4, mais tu n'as pas de bidule, donc au revoir, monsieur.
artisanat. Tu peux me faire travailler à la raffinerie. Tu peux produire de la drogue et tailler la pierre et faire fondre des objets. Ok. Transporter, oui. Nettoyer, oui. Chercher, 8. 19. 10. Non, tu vas pas chercher. Ça n'en vaut pas la peine pour l'instant. Ok. Eh bien, on est reparti. Ça tombe très mal, cette histoire-là. Ça tombe très très mal. Voilà les bestioles qui arrivent. Hein. Alors, les bestioles là, l'autre est rentré, mec. Voilà, à tout est là. Et donc, normalement, les buffalos, on va les laisser mourir de faim. Voilà. Ils vont mourir de faim. On n'aura plus qu'à les découper. Alors, les émeus, c'est quoi des émeus? Ils font quoi les émeus? D'abord, la bouffe. Ils bouffent pas trop. Ils bouffent pas trop. Ils ne bouffent pas trop. Ils sont intermédiaires. Je pense pas qu'on puisse. On devrait pouvoir les faire. Bêtes de somme. Non, ils ne sont pas bêtes de somme. Ils sont très sauvages. 45 ans. Ils peuvent tenir jusque 50 degrés. Donc ça va. Hein? Ils bouffent légumes, graines, plantes, nourriture, croquettes. C'est vraiment des herbivores. Il faut 9 en dressage sagé, puisque j'ai 15 maintenant. Est-ce que ces bestioles-là pondent des œufs? Ils pondent des œufs. Ils doivent pas en pondre des tonnes. Ça, c'est une femelle et l'autre. L'autre est une femelle également. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne vais pas garder ces bestioles-là, des émeus pour des œufs. Voilà. Donc, à toi, faire ce que tu as à faire. À toi, est-ce que tu es fatigué, mec? Et ça ne marche plus, bien entendu. Donc, il faudrait que je passe tout le monde en pemmican. Pemmican. Oui, c'était déjà en pemmican. Et vous autres, vous allez passer en pemmican aussi. Hein. Pour le moment, j'ai pas trop le choix. Voilà. Eh ben, dis donc, c'est bien embêtant cette petite éruption. On n'a plus de brouillard, ça c'est fini, le brouillard. Et vous autres, mes petits émeus, n'avez pas encore faim. Ok, donc le chauve est parti donner à manger. Tout le monde va manger un petit morceau. Libellule, je t'ai mis en prioritaire, tu vas arrêter le prioritaire avant de crever de faim. L'éruption solaire est finie. Eh bien, il reste 11. J'aurais pu patienter. Tiens, c'est marrant ça. Hein. On aurait tenu le coup. Ben, ça va. Bon, on n'a pas fait l'erreur de la dernière fois où j'avais tout supprimé. Alors que ça servait à rien. Ça ne sert à rien d'enlever si vous ne pouvez pas récolter. Il ne faut pas couper les plantes.
Et voilà. Alors, on aura bientôt 8 évaches normalement qui vont nous rejoindre. 2.9. Wiz, elle a déjà depuis un bon bout de temps. Vers intestinaux, c'est qui qui a ça? C'est Decker. C'est Decker. Des vers intestinaux, c'est quoi ça? Putain, t'as deux maladies d'un coup, toi. Alors, les vers intestinaux, ça me donne quoi, ça? Et un vomissement. Ah, augmente la faim. Bon, ça va. On va te donner des herbes médicinales pour que ça aille plus vite. Et nous allons en profiter ici dans combien de temps? Ok. Libellule, soigne-moi ce gamin-là tout de suite, s'il te plaît. On se sent beaucoup mieux, à mon ami, avec ça. Hein. Voilà. Donc, Decker. Decker, est-ce que tu vas nettoyer? Oui, tu vas nettoyer. Hein. Normalement, ça ne devrait pas poser de... Ok, t'as un manteau d'équerre. À toi. À toi, t'es où? À toi, non, tu vas porter. Tu vas pas transporter, tu vas le porter. C'est un bon en plus. C'est lent ça. 44, ouh, c'est joli ça. C'est bon ça, c'est bon, c'est bien. C'est bien. 99. Quelle heure est-il? 18h, ça a arrêté de pousser. Donc normalement, ils doivent tous être à 99. Enfin, tous ceux-ci, en tout cas. Donc, on va donner un ordre de nouveau ici. Donc, récolter tout ceci. Et toi, voilà. Parfait. Tous les autres, ça sera pour demain. Donc, notre ami Ato n'a plus de pépins à ce niveau-ci, et Ato, il va mettre le chapeau sur sa tête. Tu le transportes, mais je voudrais que tu me le mettes. Ato. Allez, mets le chapeau. Voilà. Et maintenant, Ato, tu es à 51 degrés, mec. Donc c'est quoi comme chapeau, ça? Ça ne doit pas être terrible, ça. Et il est bon aussi, quand même. Hein. Ok. Donc, là, maintenant, tu me refais un autre chapeau de cow-boy. Bien. Alors, qui est-ce qui devrait me faire cette Decker qui est ici? Decker, tu as 5,30. Je voudrais qu'après que tu me fasses la fabrique ici. Voilà. Faire quelques joints si jamais il y a un marchand qui s'amène. Bon, comme vous voyez, maintenant ici c'est passé en bleu. Voilà. Et donc cette bestiole,
nomme deux bestioles ici. Où est-ce qu'elles sont? On va les ramener. Donc, on va les ramener. Tu dors. On va les chasser. Faune. Il n'y en a plus qu'un. L'autre a réussi à se tirer. J'ai pas fait attention. Je me suis fait avoir. On aurait pu le buter, quoi. Ah, zut alors. Donc, restriction. Qui est-ce qui tire? Qui est-ce qui est le chasseur? Le chasseur chasse sans sachet. C'est libellule. Libellule. Restriction. Libellule. Touc, touc, touc. Non. Pas de restriction. Ok, donc libellule, tu es parti chasser l'émeule. On s'est fait avoir, il s'est tiré l'autre comme un gros salopard. Quel dommage. Donc libellule, où es-tu? On va un peu regarder, je souhaiterais savoir. Alors, chance de toucher de libellule, 10% seulement. Pourquoi? Parce qu'il y a la cible qui est à terre. Elle n'a plus que 20%. Donc quand vous avez un ennemi à terre, tirer dessus, c'est pas facile. Vous n'avez plus que un cinquième de chance de toucher par rapport à ce que vous auriez normalement. Sa compétence de tir à cette distance-là, lui, est de 63%. Par contre, son arme est de 100% de précision. Et la taille, on perd 20% également de la taille ici. Mais bon, c'est bien, voilà. Ouais. Vengeance d'émeu. Ah! C'est un peu gênant, ça. Ouais, vas-y, finis ça. Elle touche bien, hein, quand même. Hein. Maintenant qu'il est debout, on peut voir un libellule qui a actuellement 40%, puisque l'autre, donc de 10, on a multiplié par 4. Hein. Et 40% aussi parce que c'est la nuit, il ne faut pas oublier, hein. Si on regarde bien aussi, il n'y a pas assez de... On n'a plus de... Il est quelle heure? 23h, il n'y a plus de lumière. Hein. Bien, ben, elle va nous ramener un petit peu de cuir, je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas lequel c'est, mais je voudrais attendre que le bois soit épousé. On n'a que du 41-42% là. J'ai que du 42% au maximum, hein, malheureusement. On va attendre d'être un peu plus haut pour essayer d'avoir 5 pour récupérer le maximum de. Ah, stop. Oula, on voit qu'on a un pépin. C'est qu'on a Wiz qui vient d'allumer. Elle veut une chambre. Elle n'a pas de nourriture acceptable. Ça, c'est un problème parce que je n'ai pas la possibilité de lui faire de la nourriture. Si, j'ai quelques œufs ici, j'ai 39 œufs, j'ai maintenant de la viande d'émeu qui peut arriver. Mais c'est bugué. C'est bugué. Donc on sait qu'ici, celui-ci est bugué parce que normalement, pour que son titre soit accepté, pour aller commercer, etc. Parce que normalement, elle a le droit d'aller commercer hein, en étant dame. Si on regarde ici, on va prendre une quête ici. On va en prendre un. Voilà, prêteur, prêtrice. Voilà, on va prendre une dame. D'accord. Chevalier dame, c'est ce qu'elle est normalement. Commercer avec la colonie. Le seul problème, c'est que si je viens... Et je vous dis ça parce que je l'ai testé pour savoir si ça marchait ou pas. Il nous dit quoi ici? Négocier nécessite le titre de chevalier dame. Et nous n'avons... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai essayé, j'ai fait un envoi de Wiz et il me dit va te faire voir. Ça ne marche pas. Ce qui veut dire qu'on revient ici. Et donc, là, pour le moment, tout ce qu'on se prend, c'est tous les problèmes dus au titre de dame et aucun avantage. D'accord? Aucun avantage. On a juste ça.
Mais comme vous voyez, il est bugué. Voyez, il passe au noir. Vous voyez, la fenêtre est noire. Elle est buggée, tout simplement. C'est buggé. Ouais, si je clique dessus, il me dit va te faire voir. Tu vois? Si je fais ça, hop, il ne veut pas. Donc, même ces trucs-là, ils ne marchent pas. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc, on est buggé avec notre ami Wiz, malheureusement. J'aurais mieux fait de la libérer, d'ailleurs. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Sa santé, on va regarder un petit peu les opérations qu'on peut lui faire. Alors, est-ce que je peux lui enlever un... Alors, on risque aussi d'avoir des pépins parce qu'elle a justement ces trucs-là. Donc normalement, elle devrait avoir, tu vois, étourdissement. Ceci est illégal pour Wiz. Nécessite et donc il est désactivé parce qu'il n'y a pas d'amplificateur psychique. Vous voyez? Et c'est illégal pour Wiz parce qu'elle n'a pas le titre d'écuyer. Alors qu'on a vu que écuyer est inférieur à dame. Vous voyez? Donc elle est buggée. Donc le seul moyen qu'on peut travailler avec Wiz, c'est en faisant ceci. On renonce au titre. Et je peux même pas renoncer au titre non plus. Ah, sphère d'homme. Ça, c'est hyper chiant. J'ai pas le droit de renoncer au titre. Donc, je peux pas la faire bouffer. Elle va pas bouffer. Elle va mourir de faim. Elle va mourir de faim. Donc, on va la bannir. J'ai pas de choix. Je n'ai absolument pas le choix. Qu'est-ce que tu as sur la tête? On va regarder parce que du matos, on en a besoin. La peau médiocre, enlève ça, ma belle. Enlève ça. Enlève ça, va à poil. Et puis c'est tout. Et puis, tire-toi. Malheureusement, le pauvre le chauve. Donc, on a fait tout ce travail-là pour rien, comme vous pouvez le voir. Parce que je peux pas là. Je peux pas. Je ne peux pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Allez, hop, au revoir, Marie. Oui, je vois pas ici, qu'est-ce que tu me dis? Tous les colons qui vont être pas contents, bon bah. Et je fais quoi là? Je suis bloqué. Voilà. Qui c'est qui a de la munition? C'est Becker qui est inanition. Oh là, idiot que je suis. Donc, le chauve, besoin. Ma mère Louise est morte. 30 jours. Colombani. Alors, mon ami Louise et puis ma mère Louise. Rien y faire, 30 jours et 20 jours. Bon, ben tant pis, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Ah, ça me fout les boules, hein. J'avais bien travaillé tout ce truc là, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi.
Vache, prisonnier, il me reste un. Et on va désinstaller ça, comme ça elle ira là-bas. Et ben, elle est là. Ah, je râle. Ah, ben, je suis pas content. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Libellule, t'as pas le droit de ramener un geôlier, t'as quoi toi? Un geôlier, Libellule. Bah, t'as le droit de conduire les prisonniers, hein, donc normalement. Bon, quelqu'un d'autre ira faire ça, pas grave. Alors, je veux pas que tu me fasses ça. Dépecer, niet. Ici, on va pour le moment, on va suspendre. Alors, on va transporter tes smokes. Et les joints, ils n'ont pas besoin d'être. Non, ils n'ont pas besoin d'être. Ok. Bon, ben, hein? Où est-ce qu'elle est, la belle, là? Oui. Elle va survivre, hein? Ouais, c'est la vie, hein? C'est la vie, c'est la mort. Ok. Ben, ça tombe bien. Heureusement que le chauve, malgré tous ces problèmes-là, il arrive encore à avoir des tas de bons bidules, hein. Tant mieux. Malgré tout, ça va quand même diminuer un petit peu. Alors maintenant, on a combien de mâles? On a un mâle, deux, on a trois mâles. À l'autre, un mâle, hein. Ouais, trois mâles. Et un, deux femelles. Trois femelles, trois mâles, trois femelles. Je me demande si je vais garder ce mec. Bah, il a une super mêlée, j'ai besoin de lui en mêlée, j'ai besoin de lui en mêlée. J'ai besoin de lui en mêlée. Ok. Ok, voilà la vache qui est arrivée. Alors, on va faire on va faire ton petit bidule, mademoiselle vache. Alors, qu'est-ce que tu as le droit de faire en médecine, hein? Tu as 10, j'ai que des bons médecins, j'ai des bons médecins partout. Donc, on a chauve, non. On a 8 sur 20, libellule, bon médecin. 2, 6. Bon, on va enlever. Ça, on peut laisser ça, ouais. Ici, ça, c'est prodiguer les soins. On va mettre 3. Opérer, on ne veut pas. Donc, Libellule ne va plus opérer non plus. Mais nous avons Vache qui va opérer. À 2. On va la passer à 2. Allô? 8. Il ne va pas opérer non plus. Tout le reste. Ouais. Faire ça, hein? Ben non, ça tu pouvais pas faire ça, hein? Bon, tout le reste est en deux, hein, t'es bon. Opérer les animaux, tu peux. Opérer un humain, non, mais tu peux très bien faire tout le reste. Et donc Vache, c'est elle qui va opérer. Eh ben, on a des super bons. On a des super bons toubibs. Bon, ok. On a des très bons toubibs. On continue. Alors, toubib c'est fait. Repos 3. 3.
Tu peux pas faire geôlier. Ici, vache. Voilà. Alors, geôlier, 7 sur 20. 0. 1. 18. Donc, avec 7, tu peux faire tout. On va te laisser faire tout, même. Tu peux même aller. Même si tu es moins bonne, c'est pas grave. Tu vas augmenter petit à petit encore. Hein. Ensuite, chasseur. Pardon, dresseur. Ici, elle. Elle a que 3. Donc, on va te dire que tu ne peux pas apprivoiser les animaux. Ensuite, cuistot. Non, nana. Ensuite, chasseur non plus. Ici, construction. Tu es comme tous les autres, donc tu as 3. Et on t'enlève ça. On t'enlève tout ça. Et c'est bon. Ensuite, fermier. Tu peux pas faire le travail. Ça, c'était allô. Oui. Elle, par contre, elle a 7. Alors, avec 7, on va te donner tout. 2. On va te dire que tu peux récolter avec 7, je pense. Ok, ça c'est bien. Mineur. 2 sur 20, on t'oublie. Ensuite, forgeron, tu ne peux pas, vache. Ensuite, art, madame vache, 3 sur 20. Non, je n'ai que mon ami le chauve qui peut faire ça. Ensuite, tu vas quand même pouvoir travailler à la raffinerie. Produire de la drogue, non. Travailler la raffinerie, oui. Taille de pierre, oui. Et faire fondre des objets aussi. Voilà. Transporter et nettoyer. Et je ne veux pas que tu fasses de la recherche. Voilà. 10, 19. Ok. On y va. Alors, il me faut un pieu. Ça. On va virer les danes. On va désinstaller le nid de danes. Et on va le balancer ici, comme ça. Ouais. Ok. Libellule, tu arrêtes de faire ça et tu viens me faire ceci. Et tu prends ton copain avec et tu le déposes là. Mais c'est fabuleux. Alors on est bien vache là, hein? Normalement on devrait être très bien après. Pour le moment on n'a pas encore ta chambre, si, légèrement impressionnante, ok, c'est bon. Donc là, tu vas quand même bien remonter. On va te faire beaucoup, 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 beaucoup de. Mon rival, lui, est mort. T'es le seul qui a apprécié ça, quoi. Voilà. Malgré tout, le chauve, malgré le drone, que sa mère soit morte, que ça soit banni, et que son amie soit morte, il arrive encore à être à 100%. Waouh! Bon, ça paye aussi, hein, marié, ça en vaut la peine. Hein. Hop, 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 hop. Faune. Il y a deux petits points verts là-bas. Iguane, iguane. Allez, hop, on est parti. Ça, c'est bien. Je veux d'abord que tu manges. Sinon, après, tu vas revenir. Oh, ne me dis pas, il est parti déjà. C'est pas vrai. Un faune. Il n'y en a plus qu'un, quoi. La vache! Ah ouais, faut que tu y ailles, hein, ma belle. Là, il faut que tu fonces. Il n'y en a plus qu'un, quoi. La vache, il se tire vite, hein.
Allez. Incroyable ça. Non, non, libellule. Tu vois, libellule, elle est partie bouffer, quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prioriser chasse ensuite. Donc elle le prend, tant mieux. On a des dromadaires. Combien? Deux. Abattoir. Montre-moi un peu ça, ouais, ok. Donc, c'est pas les composants, c'est la balise, voilà. On va dire, ouais, c'est bien, ils ont rajouté ça, une zone de stockage. Oh, c'est magnifique, ça crée une zone de stockage autour de ce bâtiment correspondant exactement à la forme du rayon de la balise de commerce. Ok, voilà. Ça, c'est tout seul. C'est génial, ça. Ouais, c'est vraiment bien. Là, j'ai du mur en ardoise, donc je vais aussi pouvoir miner dans tout ça. Voilà, plus de 2-3 en résistance. Artillerie automatique. Ok. Prothèse. Prothèse. Méga rémier en pleine migration.